Dans le chapitre transport, la Fédération internationale des ouvriers du transport a débuté sa conférence régionale à Abidjan, une 10e édition dont le principal thème est axé autour de la paix et la justice, a vu la présence du ministre ivoirien en charge des transports qui justement a procédé à l'ouverture du séminaire. Walter Kofi et Ezekiel Siri pour Le Point. Des chants fredonnés à l'unisson pour marquer le début de la grande messe, des acteurs du transport africain réunis à Abidjan depuis ce lundi 5 mars. Ils sont venus de plus de 40 pays du continent pour participer à la 10e conférence régionale africaine de la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF. Un séminaire annuel au cours duquel l'organisation fait le bilan de ses activités et émet des réflexions pour les éventuels défis du secteur, dont celle de cette année, la paix et la justice pour un transport durable en Afrique. Ce sont des moments intenses de débat, de concertation, de consensus et de conciliabule afin de parvenir à des résultats qui permettront de mettre en place une nouvelle équipe qui va conduire les activités donc de l'ITF Afrique pendant les 5 prochaines années. Ensemble, nous pouvons travailler à promouvoir la paix, la justice et la durabilité dans le secteur du transport en Afrique. Amadou Koné, ministre ivoirien en charge des transports, a apporté son cachet à ses assises, qui pour lui sont une occasion de renforcer les capacités des acteurs et assurer un dialogue social pour le développement du secteur des transports en Afrique. D'examiner avec la plus grande objectivité la situation et l'environnement dans lequel évoluent donc les travailleurs sur le continent africain. D'attirer l'attention de tous sur notre responsabilité à préserver cette paix et cette justice qui passe nécessairement par le respect du droit syndical. Rappelons que cette 10e conférence régionale africaine de l'ITF se tient du 5 au 7 mars à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des doléances, dont celle d'obtenir du bureau ITF Abidjan un accord de siège.